Ok, je me présente, Prince Ménic, 28 piges, milliardaire, 2014, débarque en France, c'est le tiers-monde, c'est la galère. J'achète tout sur mon passage, L'Oréal, le maquillage, la Tour Eiffel, le DF, le TGV, SNCF. Américains, les Mexicains, les Hurricanes, les Jéricains, les Shurikens, les Capitaines, les Pylonaires, Prince Ménic, Marocains, les Comme Obama, yes, week-end. Allergique au travail, tous les jours, c'est le week-end. Ça m'a quand même... Ça m'a choqué, ça, quand j'ai entendu que Messi était arrivé, il s'est installé, il a pris son hôtel. Moi, ça m'a choqué. Et Mbappé, si tu regardes cette vidéo, il faut partir, là. Il faut aller direction Real Madrid. Il faut aller au Real Madrid. Faut quitter tout. Faut quitter, bon. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Un, deux jours que j'ai envie d'être au courant de cette le tonnerre qui est venu en France, le tonnerre dans le monde du football français, dans ce championnat de France. Avec l'arrivée de Lionel Messi, et bien entendu Lionel Messi qui est arrivé ici et qui s'est installé maintenant à Paris, qui est maintenant en ce moment dans un hôtel parisien et qui va pouvoir faire ses examens pour pouvoir jouer dans l'équipe des Parisiens, puisque maintenant j'allais presque les appeler les Catalans, puisque maintenant c'est la grosse équipe, c'est même plus une équipe, c'est la grosse équipe. Donc je ne sais pas qu'est-ce que Messi a l'intention de faire, de venir ici, parce que là c'est chaud. Et puis je vais juste parler, les amis, de cette arrivée de Messi, puisque là il y a un gros, quand je dis gros, c'est gros problème, c'est les problèmes qui vont arriver, puisque on a Messi, on a Neymar et on a Mbappé. Mais le problème, c'est que Mbappé, ça va pas le faire, puisque ils ont tellement chacun leur grosse tête, ils ont des têtes et chacun va râler que tel joue. Bien sûr, c'est Messi qui va jouer tous les matchs, etc. Et Neymar aussi, Mbappé aussi. Mais à l'heure que je vous parle, il y a eu déjà un tonnerre. Nasser a déjà fait un tacle à Mbappé. Donc ça annonce tout, les amis. Ça annonce déjà le départ de Mbappé. Moi, je ne peux pas vous dire de ça. Mais moi, tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo, les amis, c'est que si j'étais Mbappé, ça serait le meilleur temps pour aller au Real Madrid. Il a plus rejoindre Karim Benzema, parce que là, Benzema, il a besoin du soutien. Là. Il faut qu'il y ait un grand joueur qui arrive. Donc, Mbappé, t'attends quoi? Allez, il faut partir là. Il faut les laisser jouer entre eux. Messi et Neymar, il faut les laisser jouer entre eux. Messi, il vient. Mais il annonce en fait le départ de Mbappé au Real Madrid, bien sûr, au Real Madrid. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, les amis, régalez-vous en essayant de découvrir cette vérité que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est que Mbappé va partir, évidemment, au Real Madrid. Il va pouvoir partir, que ce soit cet été ou que ce soit cet hiver. Mais c'est sûr et certain, il va partir maintenant, c'est à 100% sûr. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Et n'hésitez pas à mettre sur commentaire qu'est-ce que vous en pensez, vous. Si Mbappé va rester, va subir les assauts de Neymar et de Messi, puisque dans ce cas-là, c'est eux les boss, et lui, il va devoir se placer sur les côtés. Bon... S'il ne va pas brancher de jouer, que ce soit à droite ou à gauche, il va falloir qu'il ne branche pas. Parce que pour moi, les boss là à Paris, c'est Neymar et Messi. Parce que là, c'est plus Paris. C'est plus le Paris Saint-Germain, hein, c'est le Barça. C'est le Barça. Hein. Qu'est-ce que je vais vous dire, c'est le Barça. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Parce que moi c'est bon là. Là, ça me dépasse. Là. Et puis quoi encore? Tant qu'à faire. Appelez Ronaldo si tant qu'il voulait. Mais je sais qu'il ne viendra jamais. Si Ronaldo il vient, je pète tout, moi. Je pète tout. Allez, salut les amis.